Bonsoir et bienvenue ici à la Méno pour cette 25e journée du championnat de France de National. Le leader, le Racing Club de Strasbourg-Alsace, qui a 43 points en compteur, reçoit ce soir le Chambly FC 13e avec 29 points. Le Racing qui reste sur une très belle victoire dans l'Alsacico. Il faudra dynamiter cette attaque, cette défense de Chambly. Allez, le premier centre, Blayac la tête, tout droit dans les gants. Pour Blayac dans le dos. Et pénalty, pénalty pour le Racing sur ce tirage de Maléo dans la surface. La Méno l'acclame, Dimitri Liénard face à Pondemé. Liénard, et le but de Liénard, l'ouverture du score pour l'ancien Mulhousien Dimitri Liénard. Dimitri Liénard, le décalage avec Endur, le centre, et ce ballon est sorti en corner. Alors que là, il y a un joueur de Chambly qui est tombé. Carton jaune pour Jérémy Blayac. Il a été aidé, il récupère Denis Bouenga, le centre en retrait. C'est pas terminé dans la surface, il y avait Jérémy Grimm et le dégagement catastrophe de l'arrière-garde de Chambly. Issan Sako, Issan Sako le long de la ligne de touche. Et ça sera un corner. Dimitri Liénard, premier poteau, la déviation, ce ballon qui passe juste devant les buts de Pondemé, cette tête décroisée de Felipe Saad. Endur, le débordement, Amdala Endur, le 1-2 peut-être. Oh, Liénard, il aurait dû lui remettre. C'est pas terminé avec Issan Sako, plein axe, la frappe de Sako et l'arrêt en deux temps de Pondemé. Et c'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Le Racing mène pour le moment. Un but à zéro, but de Dimitri Liénard sur pénalty à la 12e minute. Thomas Martin, qui est ce coup franc qui va être plongeant. Quelques pas d'élan, Thomas Martin, il est encore bien tiré. Okidja qui s'empare de ce ballon, qui essaye de s'emparer de ce ballon. Alors, est-ce qu'il n'y a pas son retrait? Est-ce qu'il y a corner? Il y a corner à suivre. Ah, il y a Seka qui demande au deuxième poteau. C'est bien tiré, Seka de la tête et ce ballon qui passe au-dessus. Avec Bellamer, allez, il y a peut-être quelque chose à faire. Il attend une solution côté gauche. Il y a Maresté, il s'infile dans la surface. La frappe de Bellamer, elle file juste à côté. Bellamer, le débordement, oh, il s'est fait complètement tamponner Abdelhak Bellamer. Denis Bouenga qui s'élance, premier poteau s'est dévié. La demi-volée, oh, c'était Saad. Et l'arrêt du portier de Chambly sur cette demi-volée de Felipe Saad. Oh, attention, il y a un 3 contre 1, il y a un 3 contre 1, Denis Bouenga, de l'autre côté, il y a Bellamer, Denis Bouenga dans la surface, Denis Bouenga, oh, Denis Bouenga, qui rate complètement cette occasion, il a voulu donner à Bellamer. Et c'est terminé, elle est là, cette 13e victoire de la saison.